Salut les amis! Super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'évasion sur Prison Architect. Alors aujourd'hui, ce sera le tour donc de Comet 30 d'avoir sa vidéo. Sa prison s'appelle Easy Money. Voilà, alors peut-être que je vais me faire du pognon en y jouant, je sais pas, on verra bien. Enfin, Easy Money, mais en même temps, son fichier c'est prison 2. Mais bon, c'est pas grave, il a appelé donc Easy Money. Alors il me met en commentaire, c'est une petite prison avec une cinquantaine de gardes. L'évasion ne doit pas être trop difficile. Je pense, mais ça devrait être suffisant pour te donner un peu de difficulté. Sobrement, donc on va tester ça. Je clique sur charger et c'est parti. Comme d'habitude, je vous rappelle également que vous pouvez m'envoyer donc votre prison sur benoitvideo@yahoo.fr avec le nom de la prison, le pseudo et une description. Allez, c'est parti, on commence. Alors, on arrive direct sur une zone. Merde, faut que je fasse comme ça. Ouais, hop, c'est bon. Voilà, une zone où j'ai pas le droit d'aller. Entrepôt, ouais, d'accord. Donc je suis là, voilà. On va accélérer, hein, bien sûr. Alors, je suis prise en charge. On a le couloir, on a une salle d'admission. Ah, je vois que t'as mis du sol. Donc, à mon avis, elle doit être aboutie, on va dire. Elle va être finie avec un petit peu d'éléments de décoration. Voilà, ma cellule m'a été attribuée. Alors, je laisse le garde m'y emmener. D'accord, ok. Alors, c'est la première fois que ça arrive, hein. Donc là, je me retrouve donc dans une cellule temporaire, une cellule commune, hein. Voilà, vu qu'apparemment, il n'y a peut-être pas assez de place dans les autres cellules, donc j'atterris ici. Pourquoi pas, hein. Ouais, alors ce qu'on va faire, on va faire comme d'habitude le petit tour de la prison. Donc on va reprendre à partir de l'entrée. Voilà, donc on a ici donc la salle d'admission. Ici en bas, donc j'ai pas le droit d'aller. On a l'entrepôt, la salle du personnel, une morgue. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, d'accord, c'est la fin du truc, d'accord. Donc c'est normal, hein, c'est un quartier où je n'ai pas le droit d'aller, hein, quartier administratif. Alors on a une salle de nettoyage, l'atelier dans lequel je vais pouvoir piquer de quoi creuser, la buanderie, on a l'infirmerie, quelques cellules au-dessus. Ok, si je continue sur la gauche, on arrive donc dans une cour. C'est quoi là? Y a un bug ou pas? Pourquoi t'as mis une porte là? Pas du tout. Est-ce que ce serait un indice pour pouvoir m'évader? Ici, c'est une zone non construite encore. Ok. Pourquoi pas? Bon, on va remonter par ici. Donc, on a des douches par ici. Et même pas, vous pouvez faire des douches sans mettre de porte. Je pensais qu'il fallait absolument fermer à chaque fois. Une salle commune avec une cour derrière. Voilà. En tout cas, tes portes, elles répondent bien. Tu dois avoir pas mal de gardes. Encore des douches ici. Donc des cellules. Cellules d'isolement ici. Avec une cellule encore au bout. Ok. Ensuite, si on continue par ici. Donc on a la cantoche. Un bloc de cellules. Avec des cellules un peu plus grandes ici. Des douches dans le fond. Là, un double mur. Enfin, ouais, une épaisseur de double mur. On a encore des cellules par ici. Ici, donc t'as pas fini de mettre le plancher. La salle du courrier, encore des douches, ok. Donc c'est un petit peu, enfin je trouve que c'est un petit peu mélangé hein, pour l'instant. T'as pas fait vraiment un quartier avec toutes les cellules, un quartier avec l'administratif, un quartier avec ça, un quartier avec ça. Donc voilà, donc là je vois aussi dans la cantine je peux piquer des couteaux, hein. C'est plutôt pas mal. Je voudrais passer, quelqu'un qui peut m'ouvrir? Venir m'ouvrir. Voilà, nickel. Parce que dit, ça fait bizarre de se retrouver avec une cellule ici, par exemple. Merde, je peux pas passer. Attends, perdu. Là, donc ma cellule est là. Alors, ce que je vais essayer de faire, et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en attaquant donc des éléments de... Bah, par exemple ça, ces machins-là. C'est vrai que ça fait déclencher... Ah ouais, et salle de... Là, d'accord. Ça fait déclencher un petit peu... Je sais plus ce que je veux dire. Ça me donne 2 points, ouais. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, on va attaquer par l'extérieur. Faudrait qu'il se barre lui. Je vais taper sur ça, voilà, plus 2 points. Que je peux me rendre, voilà, j'arrête le combat, ok. Donc là j'ai déjà plus 2 points. Donc ça fait 2 points. Je voudrais voir la caméra, combien de points ça fait une caméra? Casse-toi toi. 2 points aussi, ok, la caméra c'est 2 points. Hop, ok, donc je me suis toujours pas fait attraper. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas assez de garde, hein, finalement. Et ces trucs là, combien de points c'est? 2 points aussi. Ok, nickel.
Hop, on arrête le combat. Voilà. Bon, je me retrouve déjà avec 6 points, donc ce qui est bien. Je vais peut-être pouvoir m'embaucher des copains. Là, petit pitoulec, là. Allez, viens, mon petit, là. Je me fais déjà un ami. Est-ce qu'il n'y a pas un mec avec déjà des prédispositions d'attaque? Lui est fort. Ouais, bon. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de prisonniers à l'intérieur, hein. Allez, viens, mon copain. Bon, là, en même temps, ta porte-là, elle sert à rien, parce que... Si tu regardes bien ici, donc t'as des portes faibles. Donc si tu voulais pour bloquer, c'est pas le top, hein. Parce que là on peut passer là et tac. Voilà. Alors au niveau de la sortie, comment on peut faire? Parce que là, si je passe là, forcément je me fais carotte. J'ai pas vu en boss qu'il y avait, parce que là je vois que ça continue. Je me demande s'il y a peut-être pas encore une porte sur l'extérieur. Mais bon, il y aurait que ici à passer, voilà. On verra bien. Résistant. 3 points. Pas bien. On va se faire des copains un petit peu. Hop, on se rend. Encore 2 points. On va regarder au niveau des sanctions, hein, voir ce que ça donne pour les sanctions. Si elles sont élevées ou pas. Voilà, ça va. Ça a été sympa. 60 minutes, donc du coup, je vais laisser le temps se passer. Comme ça, ça va... Je vais garder mes points, simplement. Hop, je me fais ramener donc à ma cellule qui est donc celle-ci. Hop, et ce sera déjà terminé. Il n'y a pas un mec que je pourrais prendre un fort, ouais. Pas de points, bon. Hop, c'est bon. Alors, du coup, on va continuer à casser un petit peu. Toi, casse-toi, Kate. Hop, voilà, plus de points. Ah merde, me rendre. Il m'a vu. Alors du coup, ça fait quoi encore? Encore 60 minutes? Ouais, 60 minutes. Allez, vas-y, ramène-moi. De toute façon, on va devoir bientôt faire dodo, donc je vais pas pouvoir faire grand-chose pour l'instant. Merde, on va laisser le temps en accéléré. Ou la prochaine fois, je casserai ici, ouais. Mais ce que j'ai peur, c'est que les mecs ici autour, ils se battent. Ou que je frappe un mec, en fait. J'ai pas envie. J'aurais juste tapé sur le truc. Hop, voilà, c'est bon. Faire le plus 2. Hop, j'arrête le combat. Nickel. Allez, cassez-vous les mecs là, parce que je voudrais pas vous taper. Je voudrais pas te faire mal, hein, comme je suis un petit peu violent, tu vois. Allez, mais casse-toi. Bah ouais, mais si lui vient réparer... Bam, tiens. Gueule. Oh, 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 tout juste pour le chien là. Alors je sais pas, il est déjà cassé, alors je sais pas si je peux. Si on frappe là, voilà. Tac, on se recule. On arrête le combat. Nickel, encore plus de points. Eh, je gagne du point là les gars, hein. Pas mal. Alors, là c'est dodo. On va faire déjà du dodo, c'est déjà pas mal. Encore du dodo. Parce que c'est bien aussi. Voilà. Allez, tac. Alors, les copains, ils s'en vont tous manger. Moi, pendant ce temps-là... tiens, j'ai Ward. Warren Ward. Encore un Warren. J'aime bien les Warren, moi. Il est rapide. Allez, on se le prend. Eh, viens ici. Hop, t'es mon copain. Allez, j'ai déjà pas mal de copains. Ce qu'on va faire, je vais tous les appeler. Voilà. Hop, ils vont tous venir. Et on va essayer, je sais plus... on va commencer par... faire du carnage, hein, tout simplement. J'aime bien. Voilà. Tac, on va se choper des petites armes, si on trouve. Du petit marteau, par exemple. Voilà. Lui, on va lui donner... Y a pas une pointe, là, ou quelque chose? Une pointe. Oh, putain, je vais te donner une pointe, en fait. Voilà. Toi, du coup, tu vas prendre un tournevis. Voilà. Et toi, tu vas prendre... Tu vas prendre... qu'est-ce qu'il y a? Une perceuse, attaque à la perceuse. Allez, une attaque à la perceuse. Pas mal. Alors, lui, il n'y a pas de taser, donc il va pas pouvoir se défendre facilement. Alors, bam, allez, on l'attaque. Allez, hop. On prend les clés aussi. Je change ça et je prends ça. Allez, tapez, tapez, tapez. Tapez. Merde, j'ai été eu, j'ai été eu.
Allez, tapez, 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 tapez. Allez, paf, 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 paf. Le chien, le chien, le chien. Voilà, nickel, c'est pas mal. Oh, Warren est déjà mort. Eh, mais Warren, ils sont toujours morts. Hein. Bon, j'avais pu prendre... Non, j'ai pas réussi à prendre... Non, j'ai pris les clés, j'ai pas pris le bâton. J'ai pas réussi. Donc, je vais sûrement changer de cellule. On va passer à la sanction, voilà. Ah bah alors, je suis tout dit là. Bon. Bon, voilà. Hein. Alors, du coup, on a des points. Donc, on va se mettre du mortel à tous. Merde, j'ai fait quoi? Ah non, sauvegarde automatique, ouais. Donc, ça bug, normal. Du coup, bah lui, on l'enlève, hein, il sert plus. On va se prendre de l'instigateur aussi. Et de la bille bagarreur, voilà. Et résistance au taser. Ça, c'est impératif, ça. Voilà. Alors, j'appelle mes poteaux. Est-ce que je pourrais pas prendre un mec en plus, là? Il n'y a pas quelqu'un qui est pas mal. 4 points, il me coûte. 5 points, allez, viens. Il est déjà fort, comme ça. Voilà, tous mes copains, ils sont là. Il m'en manque un. Il est là, il arrive. Il nous faudrait... J'ai pas vu de garde armée, en tout cas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de garde armée dans ton truc. Dans ta prison. Donc, ben, hop, on va se prendre des pointes. Merde, bon, j'ai pris ça, c'est pas grave. Toi, tu prends la pointe. Toi, tu vas prendre... un marteau. Et toi, tu l'attaques à la personne, hein, ça marche pas. Attaque à la pointe, c'est mieux. Voilà. Allez. Alors, lui, il est en poste. Moi, je propose qu'on le zigouille. Paf. Voilà. Hop, on va prendre les clés. Les clés. Les clés. On arrête le combat, voilà. Comme ça, on a tué les mecs, voilà. Ils viennent. Ils viennent pour rien, ouais, ouais, nickel. Ah, ils ont ramassé les clés. Ah ouais, mais c'est con, ça. Bon, voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il vient, là? Qu'est-ce que tu viens, là? Pas mort, tiens, dans ta gueule. On n'a pas des clés, hein. On arrête le combat. Ah, oh, mais c'est bien, on tue des mecs et il se passe rien. Hein. Aucune représailles. Allez, on l'attaque, on l'attaque. On a les clés, on a les clés, les gars. Allez, on a les clés. Allez, bam, 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 bam. Inconscient. Allez, on le tue, on le tue, on le tue. Mort. On casse les caméras et tout là. On casse tout, on casse tout. Allez, bam, 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 bam. Putain, on a du mort là, on a du mort. Allez, on tue, on tue. On tue les copains, on tue. Vas-y, faut qu'elle remonte là, faut qu'elle remonte ma vie. Allez, on prend un bâton, on prend un bâton. On tape, on tape. Oh, dégage, dégage. Là, je suis le seul, je suis le seul. Merde, j'étais eu. Putain, ça fait du point, là. Personne n'est mort, par contre, donc j'avais les clés, donc je vais prendre une sanction supplémentaire. Donc on a pas mal de morts, là. Alors, j'ai comme qui dirait l'impression... et c'est peut-être ce que j'ai envie de faire, parce que vous m'avez dit aussi que je dis pas ce que je fais, en fait, quand je fais ça. Mais là, j'ai bien envie de tuer tous les gardes. C'était une suggestion d'un d'entre vous qui me disait, bah voilà, et pourquoi tu tuerais pas tous les gardes dans une prison, hein? Surtout qu'on n'a pas de garde armée, donc bah, on va peut-être essayer de faire ça. On va se prendre du copain. J'appelle déjà tous mes poteaux. Hop. On va se prendre du pote, là, 8 points. Voilà. D'ailleurs, le temps, on l'accélère un petit peu. On va se mettre du mortel. Voilà. L'instigateur, de la bulle bagarreur, de la résistance aussi. On a du point, on en profite. Allez, on met du mortel à tout le monde. Voilà. Donc mes copains, ils sont là. On va se prendre. Putain, il coûte 16 points, lui. Ça va me coûter de plus en plus cher. Il faut que j'en trouve un bien, en fait. Hein. Quand j'en trouverai un bien, je le prendrai. Mais sinon, voilà. Donc, avec du monde, je pense que ce sera possible de tout casser. Et le but, c'est de rendre cette prison stérile. Instigateur! You! Merde, you! Je l'ai ou pas? Je l'ai, c'est bon. Nickel. Hop, on se met du mortel. Allez, viens. Ah, donc il y en a là. Putain, il y en a là. D'accord. Oh, bah, d'accord. Allez, allez, allez. J'avais pas vu qu'il y avait des gardes. Je
Putain, on va faire le ménage, on fait le ménage, on fait le ménage, les gars. Allez. Merde, je suis coincé. Allez, le relais. Ah merde, il m'a eu derrière. J'ai encore quelqu'un. Merde, j'ai vu personne, je crois. Voilà, j'ai fait du point. Putain, il y a eu du mort là. Oh là, j'ai fait un bon nettoyage là. Ah, c'est pas moi. J'entends tirer, c'est pas moi là. 193 points, nickel. Bon, bah moi je suis emmené. Je sais même pas où je suis emmené d'ailleurs. Allez, on passe à sanction. 193 points, on peut se permettre. Ah si, j'ai quand même un mort. Mais il y a quand même. Il va aller en cellule, hein, attention. Hein. Voilà. Allez, j'appelle mes copains. J'entends de la bagarre. Allez, vite, on y va. Hein. On va se mêler à tout ça. Ouvrez-moi. Oh, je suis un violent, là. Attention, là. Je suis un shogun, là. Là, tu me fais chier, je t'attaque, là. Hein. Y a pas des armes au sol encore là? Tout y a été ramassé? Ouais. Tout y a été ramassé. On va se prendre une arme ici. Alors, je profite également pour faire un petit point sécurité. Y a pas de portique de sécurité justement ici quand on sort de l'atelier. Donc c'est un problème de sécurité. On se regarde. Hop, je prends des armes en métal. Et tu verras que bah, on peut passer, on peut sortir et puis aller tuer des gens et sans se faire voir. Donc ça va pas. Sur ce point là ça va pas. Ah, tournevis, on va se prendre. Tac, on va se prendre ici. Encore un tournevis. Et toi, tu vas te prendre. Bon, pas ça aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Un marteau. Allez. Voilà. Donc regarde, hop, ici on est tous armés avec des trucs en ferraille, on peut passer où on veut. Voilà, tu vois, ici, nickel. Alors, il faudrait que je récupère encore une arme, mais bon, c'est un petit peu le bazar, donc on voit pas trop. On va le laisser passer lui. Bam, allez, hop, voilà. Putain, je pourrais même pas passer. Je sais même pas ce que je fais là, je sais même pas si je tire sur des mecs. Allez, je mitraille, je te fais un tas de bonhommes. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Quoi, tu répares rien du tout. Mais moi, je crois qu'il n'y a plus de gardes en fait déjà, hein, ça y est. J'ai pris tous les gardes. Là, il y a baston. Ok, j'ai lancé une émeute. On va essayer de prendre des clés. Voilà, on a pris des clés. Ok. Je demande à mes copains de me suivre. Voilà, tac. Allez, on casse un petit peu tout. On va lancer les meutes, hein, on va profiter. Merde, j'ai tué un mec. Ah merde, il y a les patrouilles armées. Ah! Allez, prenez des armes, les gars. Allez, venez. Tac, voilà. Donc, on va avancer. Ah merde, on revient encore. Qu'est-ce qu'ils font? Ils passent, on sait pas où. Allez, on passe là, nous. Ah, allez, on tue. On tue tout le monde. Le chien. Merde, j'étais eu. Il me faut une carabine. Merde. Ah, ils m'ont eu quand même. J'ai tué du monde, mais on a été eu. J'ai jamais eu autant de points de... de réputation. Donc, il y a une émette toujours en cours. Je reprends mon autocontrôle de moi-même. Hein. C'est qui, lui? Ah bah si. Bah j'ai encore un contrôle d'un mec, là. Merde, c'est con, ça. Pour moi. Ah merde, je suis rentré dans la salle. Ah là là. Bon, je suis inconscient. On va passer à la sanction parce que je crois qu'il n'y a plus de garde pour nous remettre où il faut. On est en temps de cellule. Merde, je peux pas sortir, ça veut dire.
pas sortir. J'appelle mes copains. Allez, on attaque. Paf, paf, paf. Hop, le chien. Paf, 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 paf. Tchac, 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 tchac. Le chien, paf, paf, dans sa gueule. Allez, barrez-vous. Et hop, tac, on prend ça, on prend ça. Allez, prenez des armes, les gars. Prenez des armes. Putain, émeute générale ici. Hein. Allez, viens, allez, on va casser du goal. Paf, on casse tout, on casse tout. Hop, on peut passer là. Salle de sécurité, qu'est-ce qu'on a, salle de sécurité? On a des clés, on a des matraques. Venez là, les copains. Allez, hop. Allez, prenez des armes. Hop, prenez des armes. Ok, nickel. Allez, hop, on y va. On casse, allez, on casse. On casse tout, là. Oh, ça marche pas terrible, hein. Oh, il y a du briquet. Eh, je suis trop tenté de foutre le feu, là, sérieux. Allez, on casse. Voilà, tac, tac, on casse. Allez, là aussi, on casse. Tac. Comment on fait pour casser là? J'arrive pas à les casser ces trucs là. Bon. Bah, je crois qu'on peut faire un peu ce qu'on veut maintenant. Hein. Oh, donc on a le chenil, on a l'armurerie ici. Allez, tac, tac, on attaque, on attaque. Allez, viens dès là les copains. Allez, on prend des armes. Prenez des armes. Bah prenez pas des armes alors, écoute. Moi je vais prendre ça. Tac. Allez, on. Merde, qu'est-ce qu'il fout là lui? Allez, hop. Suis, suis, ils suivent tous, ouais. Ils suivent tous. Ok. On a du chien, là? Le chien, il veut ou pas? Allez, prenez des armes, là. Pourquoi ils ne prennent pas des armes? Ah bah si, ils ont des armes. Pourquoi je les vois pas, là? C'est... Ah, parce qu'on est en émeute, peut-être. Ok, bah c'est pas grave. Paf, paf. Allez, on tue tout le monde, là. Oh putain, ça arrive par là, encore. Allez, on casse tout là. Paf, allez, on attaque là. Bon, par contre, désolé, il va faire noir. Allez, on tue tout le monde. La prise d'otage et tout là. Paf, paf. Paf, le chef de la sécurité, il n'a plus. Putain, on a vidé les lieux là. Merde, j'ai été eu. Le directeur, il n'a plus. Baf, 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 baf. Allez, on attaque, on attaque. On attaque, on attaque. Nickel. Toi, t'as pris les clés. Tu prends pas les clés, là? Prends les clés, prends les clés, prends les clés, prends les clés. Mais non, on prend pas ça. Voilà, donc t'as les clés, tu peux te promener. Y a pas un pompe, là, quelque part? On a un entrepôt. Paf, paf, on attaque, on attaque. On peut même sortir. Paf, mort, tu t'évades pas, toi. On est tous blessés, ça va pas, ça. Merde, il s'est fait avoir. Bon, ça fait du point quand même, hein. Bon, allez. On rattaque un petit peu, les copains, là. On a combien de temps? Ouais, c'est bien, ça. Allez, on attaque. Le 911, c'était pas mal. Alors, je reprends mon contrôle. Ok. Oh, putain, je suis énervé, là. Oh, je suis énervé. Je vais mettre 10 000 ans, là. Et pourquoi je peux pas avoir de ma réputation, là? Je crois que c'est buggé, en fait, le truc. Merde, je peux plus rien faire là. Voilà. Mais ils dorment quand même, les mecs. Ouf. Tac, tout le monde y est mort. Là, ils viennent d'où, hein? Allez, hop, on prend ça. On va prendre ça aussi. Allez, viens. Allez, on attaque, on attaque. On attaque, voilà, mort. Allez, on se donne rendez-vous en haut. On va rechercher des armes. Ah, ça a été réparé, là. Et ils sortent d'où, sérieux? Allez, on prend du pompe. Allez, viens.
Prends une arme. Prends une arme. Voilà, c'est bien. Ils sont mes copains, sérieux. On va les liquider ici, ce qui se passe encore. Ok. Si c'est bon. On va continuer le tour, allez viens. Il me faut un copain là par contre. Je vais même pas le prendre lui en copain là. Ouais c'est bugué je crois. Plus de copain là. La morgue, ok. Ah, on tue les ouvriers, comme ça ils peuvent plus construire. Ici, qu'est-ce qu'on a? Salle du personnel, on s'en fiche. Ah, toi, dans ta gueule. Bon, là, je peux m'évader comme je veux, hein, vous avez compris. Mais bon, je fais le spectacle. Hein. Allez, viens. Là, j'ai mes copains, je vais leur donner des armes aussi. Hop, du coup, je les relâche, comme ça, ils prennent des armes. C'est bon. Allez, hop, on y va. On va partir faire le ménage un petit peu. Donc là en bas, qu'est-ce que je peux faire? Ici on peut rien faire. Tac, tac, voilà. Nous on est des fous. Hein. Allez, on va. Oh, il va encore invader tout le monde. Allez, on casse les portes. Allez, on casse les portes. Voilà. Casser les portes là. Même les bagnons aussi. Bam, bam. Allez, là, vous suivez. On va attaquer ici. Allez, part. Qu'est-ce qu'on a ici? Bam, bam. Ah, lui, tiens, tiens. Un addict. Tuez-le. Bam, le téléphone, on s'en fiche. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? On a rien du tout, y'a personne à tuer. Ok, y'a un mec qui veut se frotter à nous là. Allez, viens. Bah, viens. Baf, baf, allez hop, coup de taser. Viens, les gars. Et je voudrais passer, merci. C'est bizarre là d'ailleurs ce que t'as fait. Mais bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Putain, encore des arrivées ici. On a un mort. Oh, bah, bah. Allez, on casse les portes. Faut plus qu'elles s'ouvrent. Putain, il y a des super max là. On va le recruter. Ah, je peux pas, c'est vrai. C'est que je dois le recruter. Lui. Merde. J'aurais voulu, moi. Ah, nickel, Gary prend le truc. Peut-être en attaque je peux pas recruter. Si je fais arrêter le combat. Du coup ça valide. Ah fort, allez 10 points. Je prends des copains super max là. Voilà c'est pour ça. Bon on va se mettre des points. Hop tac, merde j'ai déplacé le bazar. C'est pas ce que je voulais faire. Ok bon on va continuer. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut attaquer. Eh, hey, où est-ce que vous allez là? Merde, il s'enfuit. Bon bah, tous mes copains, ils s'enfuient là. Bon bah, je crois qu'on a tué tout le monde. Donc on se retrouve très vite. Allez, on s'évade les copains, venez aller. Voilà. Oh. Bon bah, mon dernier copain, ça s'avère rien. Hein. Bon, je crois qu'il n'y a pas cette place non plus pour avoir le nombre de victimes. Ta prison, elle a pris cher, mon copain. Un score de 1390, 2 jours, 2 heures et 15 minutes dans ta prison. Donc voilà. Voilà mon escouade. 3 copains de mort. Ce que je vais faire, c'est que je vais recharger donc ta prison. C'est prison 2, il me semble. Ouais. Voilà, tac. Donc la charge en normal, et puis on va regarder un petit peu tout ça. Ici, on s'en fout. Vas-y, valide. Valide, s'il te plaît. Un peu long. Voilà, jouez maintenant. Vas-y, on s'en fout. Donc voilà ta prison. Donc alors... Au niveau sécurité, c'était pas mal quand même. Parce que là, on a pas le droit d'aller ici, on n'a pas le droit d'aller là. Donc au niveau sécurité, c'est pas mal. Tu as séparé donc les risques élevés. Enfin, les risques, les supermax, ils sont là, les supermax. À protéger, ils sont là.
Donc c'est bien, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Par contre, ici, t'as mis, donc il y a des max, des normaux et des faibles qui sont ensemble. Donc ça, à la rigueur, ce serait moyennement bien. Ici, ce serait une faille de sécurité dans le sens où si on pouvait casser des murs, bon, on peut pas casser à part avec le feu, bien sûr. Par contre, pour... Attends, qu'est-ce que je peux voir d'autre? Après, pour les tunnels, ici, bah, ce serait facile de creuser. Bon, il y a quand même quelques cases à faire, mais bon, ça peut être facile. Je sais pas si tu as mis des chiens autour, on va regarder. Déploiement de chiens, ok, non. Donc il aurait fallu peut-être que tu mettes ici une patrouille de chiens qui fasse tout le tour. Pour sniffer, en fait, quand ils creusent. Pareil, en fait, ou à l'extérieur de ta prison, hein, tu peux aussi. Voilà. Après, qu'est-ce que j'aurais à dire sur le sujet? L'idée de séparer ici tout ce secteur interdit, c'est bien. Après ça, je t'ai déjà dit aussi en jeu, le système des portes faibles ici, c'est pas top par rapport à cette porte-là. Si je veux passer, je passerai plutôt par là. Ensuite, bah, les bureaux, d'accord, ça c'est bien aussi. Lock, c'est sécurisé, c'est pas mal. Après, je vais regarder au niveau des tuyaux. Comment ça marche pour les tuyaux? D'accord, donc les tuyaux sont là. Ouais. Ok, bah je pense pas qu'au niveau des tuyaux y ait de bugs, hein. Là ça me paraît pas mal. À moins ici, ouais, à la rigueur ici ça peut aider pour creuser, mais on arrive là. Et là t'as mis quoi comme mur? Ah ouais, c'est du mur simple, ouais, donc là il y a un bug, hein. Il aurait fallu mettre un mur d'enceinte sinon, hein, pour pas que tu... si tu veux pas qu'on creuse. Donc voilà. Bah ta cour ici elle fonctionne pas, ouais. Voilà, donc bah je pense que c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette prison. Donc, c'est une bonne petite prison quand même. Ah ouais, après au niveau des gardes, il faut qu'on regarde au niveau du personnel. Est-ce qu'on en est? Donc, on a 50 gardes, 7 gardes armés, ouais. 50 gardes pour 79 prisonniers, ça va, hein, ça fait presque un pour un. Donc, ouais, franchement, c'est honnête. Hein, c'est parce que là, bon, je m'étais fait des copains et bon, j'ai trouvé des astuces. Ah ouais, non, par contre, ouais, si. Gros problème de sécurité, ouais, c'est ça. Je l'ai dit dans la vidéo aussi. C'est les portiques de sécurité. Les portiques de détection de métaux. Il faut absolument en mettre aux endroits où il y a de la contrebande. Donc aux ateliers. Le salle de nettoyage, tu peux en mettre aussi, je crois. Bien sûr, à l'entrée. Hein. C'est obligatoire. Éventuellement, après, bah, essaye d'en mettre un peu partout. Par exemple, dans les touches, à la sortie de la cantoche, ou des trucs comme ça. Dans la cour, parce que là, c'est pareil. Là, c'est zone extérieure. Donc les mecs, enfin, on le voit pas, mais ils peuvent lancer des trucs par au-dessus des murs, vu qu'on était à moins, je sais plus, je crois que c'est 15 cases, je crois. Donc ce qui fait qu'il y a de la contrebande. D'ailleurs, on peut peut-être le voir ici. Contrebande depuis 7 jours. Voilà, bah, là c'est toute la contrebande donc depuis 7 jours. Donc si je pointe là, on voit donc le trajet. Donc là on voit que ça a été introduit par ici. Le téléphone, c'est la salle ici. Donc tu faudrais mettre un portique de sécurité ici. Ça, il l'a eu où? C'est aussi de la contrebande, il l'a eu introduit. Donc ça a été détecté là, c'était introduit là parce que bah, il n'y a pas assez de garde. Faut mettre un garde dans les endroits pas proches de ces zones-là. Des zones où tu mets des portiques de sécurité. Introduit. Donc c'était introduit aussi. Là, c'était introduit de l'extérieur. Propriétaire est là, ouais. J'ai trouvé. Donc ça a été volé, toi, ça a été volé là. Là, ça a été volé aussi, ça a été volé. Bon, il y en aura, bien sûr, il n'y en aura aucun qui a été lancé depuis le dessus. Donc voilà. Donc tu vois, en fait, ici, tu peux voir les sources de contrebande. Et donc, du coup, ben, ça permet de savoir. Hein. Regarde, lui, il y a même un téléphone portable. Il l'a caché dans son chiotte. Putain, il l'a volé de là-bas. Ouais. D'accord. Bon, bah, tu vois, bon, en fait, ça pourrait le faire. Hein. Et au niveau du déploiement. Ah, ouais, c'est pour ça. Donc, lui, non, lui, il n'y a pas le droit d'aller là. Ouais, d'accord. Ok. Donc, ça paraît logique. Ouais. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur cette prison. C'était pas mal. Je me suis bien amusé à tuer tout le monde. Donc voilà, donc bah, je vous invite à me laisser des pouces bleus, des pouces en l'air, hein, voilà. À laisser des commentaires aussi, ce que vous pensez de cette prison. Bien sûr, elle sera disponible en téléchargement, donc sur mon Facebook, vous avez le lien ici, là. Attends, faut que je mette mon doigt comme ça, voilà. Ici, bah, le lien n'est pas cliquable, mais bon, tu fais facebook.com/benovideo, machin. Et puis voilà, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et une nouvelle prison à tester. Allez, salut tout le monde!